Bonjour, madame. C'est pour remplir la déclaration. Le rendez-vous est pris pour quelques minutes plus tard. Grâce à son ticket, Josepha Maria a un rendez-vous précis avec une conseillère d'aide. Comme 92 000 Belges l'année dernière, elle vient bénéficier d'une aide pour remplir sa déclaration d'impôt. J'ai peur de faire quelque chose que ça ne va pas à l'heure. Je viens chez eux et c'est tout. C'est pratique. Hein. Pour moi, c'est plus facile. Depuis cette année, au pied de la Tour des Finances, un système de tickets d'accès a été mis en place. Objectif principal, éviter les trop longues files. Ces tickets sont par jour et chaque heure est indiquée dessus. Donc nous avons 6 tranches horaires, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 et l'après-midi. Donc nous travaillons également l'après-midi sur Bruxelles, donc 1h et 14h. On distribue entre 100-170 tickets par tranche horaire. Et normalement, on sait faire ce genre nombre de personnes dans le service aux citoyens. Un système auquel les contribuables doivent encore s'habituer. J'arrivais, le monsieur m'a dit non, vous montez là dans le petit chalet, vous prenez un ticket à 10h30. Alors j'ai dit ok, j'ai pensé que je prendrais mon ticket et que je rentrerais directement. En fait, ce n'était pas comme ça. Le service d'aide est disponible jusqu'au 30 juin dans toutes les communes bruxelloises, sauf Saint-Josse. Le SPF Finance conseille aux contribuables de venir le plus tôt possible.